Bonjour, mon nom est Jocelyn Jutra d'horizonlucier.com. Je suis représentant chez Horizon Lucier à Maryville. Je vais vous faire la démonstration aujourd'hui du Phaeton 44OH. Le Phaeton, c'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord depuis les 8 dernières années. Il se fait à partir du 37, 30, 40, puis le 45, puis 44 pieds. La génératrice sort sur un slide qu'on peut avoir. Plus facile pour faire l'entretien, pour vérifier. C'est une 10 000 Onum. Quand vous la fermez, on vient à côté dessus et elle se ferme bien. On se trouve à avoir des bons wipers qui sont super solides, des grands miroirs. Les lumières sont stylées. Ici, vous avez une ouvre-porte que vous pouvez faire un code pour entrer. Vous n'aurez pas besoin de clé. Ça, c'est nouveau dans les Phaeton. On avait ça dans les Allegro Boss, mais pas dans les Phaeton. Ici, le slide, il est tout moulé d'une pièce. Il y a quatre extensions. Il y en a deux normales. Ces deux-là, un de chaque côté, est tout fait en rond et tout moulé d'un morceau. Il rentre dedans, beaucoup plus facile, beaucoup moins de chances d'avoir l'infiltration d'eau dedans. Vous avez une très belle TV à l'extérieur avec une barre de son qui est en haut. Vous avez un auvent qui va ouvrir ici sur le dessus. Fait que vous avez votre auvent au complet avec un système de LED. Fait que comme je vous disais, le slide de ce côté-ci aussi il est tout fait d'un morceau. Les châssis, de la manière qu'ils arrivent, ils arrivent égal. Fait que quand on tire dessus, ils rentrent à l'intérieur puis ils glissent à côté. Beaucoup moins de chances d'avoir d'infiltration d'air et d'eau. En plus de ça, ils sont teintés. Nos portes de coffre, c'est des portes de coffre qui sont en aluminium avec une peinture piano, un cylindre puis un choc. Vous avez la possibilité de mettre deux coffres comme ça. Présentement, on en a mis un. Lui, il sort trois quarts sur un bord ou trois quarts de l'autre côté aussi. C'est tout monté avec des bearings, fait que c'est solide. Ici, dessous, c'est le deuxième coffre. Souvent, le monde va le laisser libre. Vous avez des tuiles de spare, vous avez tout le stock pour la balieuse centrale, les deux autres chaises sont là. Et vous avez aussi un set de chaudron qui vient avec d'une très bonne qualité parce que vous avez un poêle à induction à l'intérieur qu'on verra tantôt. Ici, ça se trouve être la hose. La hose à l'eau est sur un reel de 25-50 pieds. Vous avez la sortie d'eau pour que vous pouvez vous laver les pieds quand vous revenez d'une marche. On se trouve à avoir les essuie-tout, la place pour le savon. La pompe est bien placée, les vidanges. Ça ferme très bien. Dans celui-là ici, c'est notre aqua-hot. L'aqua-hot, anciennement, on n'avait pas ça dans les Phaeton, on avait ça juste dans les Allegro Boss. Là, présentement, ils ont mis ça dans les Phaeton. Un aqua-hot, c'est que ça va chauffer votre eau, ça va vous chauffer votre intérieur, la chaleur intérieure. Puis ça chauffe le moteur aussi. Fait que c'est très bien fait. Le moteur qu'on entend, ça se trouve être un 450 de Cummins. Vous avez un tag axle. Un tag axle, c'est une roue de plus qui va vous donner de solidité. Vous avez le fil électrique qui se trouve être monté sur un reel qui est très bien. Il est tout électrique pour le sortir, pour le rentrer. Vous avez la tank à DEF qui est là. Le DEF, c'est Diesel Exhaust Fluid. Maintenant, venez, on va aller voir l'intérieur. Fait que nous voici dans le 44OH. C'est un véhicule de luxe. C'est le Phaeton. C'est le plus long qui se fait dans le Phaeton. Les sièges sont plus de qualité. Comme vous voyez que les sièges, avec la ceinture dans le siège, quand vous tournez, vous n'êtes pas pris avec votre ceinture. Vous avez en plus un footrest pour le passager ou la personne qui s'assied ici. C'est réellement bien fait. Ici, de la manière que ça se fait, c'est que vous descendez. Puis là, vous tirez ici, puis vous le placez à la hauteur que vous voulez. Fait que si vous cantez votre dossier, il est toujours à bonne place. Vous avez ici pour les planchers chauffants, les thermostats qui sont ici. C'est très bien, tout fait du bois solide. Vous avez ici le tiroir qu'ils ont mis en 45. Regardez si c'est bien fait. Vous avez une belle grande TV. Les montures de bois avec le Chris de Tiffin qui est dedans. Vous avez, comme tous les produits Tiffin, c'est du bois solide. Vous avez des armoires tout le tour. Des lumières, il y en a plus qu'on peut en demander. Vous avez ici sur le divan, vous avez une place avec un lazy boy. Vous en avez un de ça, fait que ça c'est bien. Ici, ça se trouve, ça fait un lit
avec une suspension à l'air que vous pouvez mettre dedans, vous soufflez. Fait que vous êtes très bien couché. Les personnes qui sont vont être très bien couchées. Ici, regardez cette chaise-là. Vous pouvez travailler à l'ordinateur. C'est une petite table qui vient avec en bois, qui est très bien faite. Tous les comptoirs sont tous moulés, sont tous préparés. Ici, vous avez une place pour travailler. Vous avez deux prises 110 plus deux prises USB. Ça s'étire. Ça vient toujours avec quatre chaises. Vous asseyez deux en 45, les autres là. Beaucoup d'espace, beaucoup de place. Ici, vous avez une place où vous pouvez mettre votre ordinateur. Puis l'autre personne peut s'asseoir là. Fait que les deux peuvent jouer à l'ordinateur ou travailler. C'est sûr qu'en vacances, on travaille toujours un peu. Ici, vous avez... Si on regarde le comptoir, on a un beau grand comptoir avec des beaux grands tiroirs. Fait que ça, c'est super bien. Ça fait de l'espace. Très bonne barrure. On ferme ça, c'est solide. On a ici notre lave-vaisselle. C'est un Fisher Pickle. C'est une très bonne compagnie. Vous avez votre fourneau, votre poêle ici à induction, que je vous disais tantôt que vous aviez des chaudrons qui venaient avec, d'une belle qualité. On a le four micro-ondes à convection qui est ici. Quand vous ouvrez les portes d'armoire, vous avez des tiroirs qui s'étirent. Ça, c'est très bien fait parce que souvent, malheureusement, les tiroirs sont tellement profonds qu'on ne peut pas aller au fond des armoires. Tandis que là, vous pouvez facilement aller chercher des tasses, des verres, puis ici, les assiettes en haut, sans problème. Vous avez une grandeur d'évier qui est immense, tout en stainless. C'est une Medeli, la sorte, ça vient de la France. C'est réellement bien fait. Vous avez une champlure, la place pour mettre le savon. Fait que ça, c'est, il y a une facilité d'accès pour la personne qui cuisine. Vous avez un comptoir ici en arrière qui est super joli. Quand on ferme, qu'on veut cuisiner, qu'on a moins besoin du poêle, on peut fermer ça ici. Fait que ça nous donne plus d'espace de travail. Ici, vous avez de la place pour les poubelles, vous avez de la place pour mettre ça ici. On a une place qu'on peut rentrer ça là. Fait que c'est bien pensé. Vous avez des tiroirs un peu partout pour les ustensiles. Vous avez pour les gros ustensiles, si vous voulez. Ici, on a les lumières pour le plafond, pour faire partir la pompe à l'eau. C'est le fun parce qu'on a tout à portée de main. On a un beau grand frigidaire qui est ici, que vous pouvez faire de la glace, que vous pouvez avoir de l'eau froide, de la glace concassée. C'est immense comme frigidaire. C'est un Metag. Fait que ceux qui connaissent la marque Metag, c'est une très bonne compagnie. Il y a 10 ans limité sur les parts qui est marqué dessus. Ça vient avec toutes les décorations autour, toutes les finitions. On a un beau grand congélateur qui n'est pas à négliger non plus. Balayeuse centrale. Ici, on se trouve à avoir une salle d'eau parce qu'en arrière, on a une salle de bain complète. Avec une décoration qui suit le reste du véhicule, qui est impeccable. Vous avez un châssis plus une fan thermostatique. L'air climatisé se tire sur un bord, elle sort de l'autre côté. Vous avez trois aires climatisées. Le système de chauffage, lui, fonctionne avec l'aquahotte, fait que c'est facile d'accès. Ici, la porte, vous avez une très belle porte qui vient fermer votre chambre. Fait que si quelqu'un veut écouter la TV, l'autre veut dormir, c'est facile. Chaque côté du lit, vous avez des prises USB que vous avez là. Il y a possibilité de mettre un lit king si on veut. Ici, automatiquement, vous avez votre manne à linge qui est là. Vous avez vos espaces qui sont là pour mettre tout ce qui est radio. Vous avez des clés USB. Vous avez plein de petits détails électroniques. Grande TV, beaucoup de rangements, des beaux grands coffres. Des beaux grands tiroirs qui sont là. Le dessous du lit, on a de l'espace aussi. On a une table pour le mettre au salon, qui se déplie puis qui se met au salon. Et vous avez une très grande salle de bain, comme à la maison. On a deux places pour travailler, chacun notre chose de savon. Beaucoup d'espace de pharmacie, même trop. Vous avez ici encore de la place de saut, des grands tiroirs. Fait que si malheureusement il traîne de quoi sur le comptoir, là, c'est pas parce que vous n'avez pas de place. Une belle grande douche. Tout moulé d'un morceau, avec des vitres claires. Vous avez une place pour le soleil rentre ou qu'il sorte. Vous avez un petit bain si vous voulez vous asseoir. Ça, c'est très aimé. La toilette est en céramique. Vous avez de la place ici en arrière pour mettre du... Ça, c'est pour aller fermer ou l'eau ou ces choses-là si vous avez un problème. Les châssis, comme je vous disais tantôt, on tire dessus.
puis on lève en haut. Quand on descend, on accote, puis ils viennent. Fait qu'ils viennent à l'extérieur bien égal. Ça, ça vous donne beaucoup moins de chances d'infiltration, beaucoup moins de bruit à l'intérieur. Ici, en arrière, on a un... On va allumer la lumière, on a une closette. On a le coffre-fort qui est ici. Vous avez la laveuse sécheuse qui est ici aussi, qui est bien placée. Vous avez deux trappes qui vont sortir l'humidité quand vous allez faire marcher votre air climatisé. Fait qu'il n'y en aura pas trop à l'intérieur. Un paquet de tiroirs, de places de rangement, des beaux petits paniers que vous avez dedans. Vous avez des tiroirs pour mettre des bouts. Il y a plein de places de rangement. Vous avez quatre morceaux pour attacher. Si vous regardez la solidité de ça, jamais vous allez jeter. Puis sur le bord, on peut mettre des choses de côté aussi. Fait que j'espère que j'ai pu vous montrer l'intérieur et l'extérieur de mon Phaeton 44 pieds. Pour ceux qui veulent le voir encore un peu de plus proche, passez nous voir, ça nous fera grandement plaisir. On a une belle équipe de vente. Moi, mon nom, c'est Jocelyn Jutra. Je suis vendeur motorisé et on a quatre autres de mes confrères qui en vendent aussi. Fait qu'au plaisir de vous rencontrer. Puis vous pouvez aller voir les photos sur horizonlucier.com. Puis le Phaeton, vous ne vous trompez pas, c'est une valeur sûre de revente et une valeur sûre de machinerie. Qualité-prix, c'est la meilleure que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Au plaisir de vous voir. Bonne journée.